maintenant, on va aller voir une option qui est super intéressante, c'est le tableau blanc. Mon tableau blanc se retrouve dans mes favoris ici. Ça, c'est... Vous allez voir tout le potentiel de ce tableau blanc-là. En commençant ici, il nous propose, quand on rentre, on nous propose des fonds d'écran. Fait que je pourrais mettre fond d'écran aligné, des points comme je veux pour pouvoir le faire au blanc. Ensuite, vous allez voir, si je prends ma main, c'est vraiment pour sélectionner. Le pays est fait comme ça. Si je prends ma main, c'est pour sélectionner. Je ne peux pas écrire avec mon crayon, avec ma main. C'est vraiment que pour sélectionner. Il faut s'habituer qu'on prend notre crayon pour écrire. Mais vraiment, si je veux déplacer un truc, là, je vais aller avec la main. Si je clique sur mon objet, je vais pouvoir encore là modifier, comme dans un peu le logiciel notebook. Et ici, je vais pouvoir le supprimer aussi. Là, je vais pouvoir écrire des choses. Truc à savoir, si je veux effacer, je n'ai pas d'efface nulle part comme outil. Ce que je dois faire, c'est vraiment prendre le plan de ma main, puis aller passer sur mon tableau, ça efface. Donc, c'est vraiment quand il y a plusieurs contacts que ça va effacer. Si je peux prendre deux crayons en même temps, sans problème. Ce crayon-là, ce tableau EPI-là, je crois qu'il y a 10 points de contact. Donc, si j'ai 10 crayons, je vais pouvoir écrire 10 fois en même temps. Mais pas avec les doigts, parce que, encore là, ça, c'est pour sélectionner les objets. Vous voyez ici aussi, j'ai mon tableau. Ce qui est bien, c'est que j'ai comme 9 petits tableaux blancs qui sont à côté. Là, je suis vraiment celui du centre, et je peux commencer ma leçon ici. Après ça, passer à l'autre tableau blanc. Et puis là, j'ai une grande feuille. Dans le fond, c'est une grande feuille que je peux me promener de feuille en feuille dans cette page 1-là. Ensuite, si je veux avoir 9 autres pages, bien ici, j'ai mis mes petits boutons pour dire, bon, bien, je veux avoir une autre page. Je veux avoir une autre page vierge. Je vais voir les options tout à l'heure. Donc là, je peux avoir une autre page blanche ici. Et encore là, je pourrais choisir mon fond d'écran. Et j'ai encore accès à mes 9 petites tableaux, 9 pages blanches. Et que pour chaque page, j'ai 9 pages blanches. Je peux les utiliser. Donc, on a ça ici. Autre option. Ça, je vais aller le voir tout à l'heure. Ici, dans notre crayon, donc quand on veut écrire, on peut aller prendre notre crayon, on peut changer la couleur. On peut aller chercher aussi un marqueur. On peut aller la grosseur du trait. Et puis, donc, c'est ça pour le crayon. C'est simple, hein? Il n'y a pas d'outil plus compliqué que ça. Vraiment des crayons simples. Ça, ici, c'est pour sélectionner. Donc, si je veux sélectionner mon objet, bien, je peux aller prendre le petit carré ici, puis je vais pouvoir aller sélectionner et pour changer de place comme je veux. Ici, c'est pour rajouter des images. On a un moteur de recherche intégré, c'est Bing, qui est directement à l'intérieur. Donc, je peux aller chercher, par exemple, pomme. Il va me trouver pas juste des images, il me trouve des images et des vidéos aussi. Donc, si je veux avoir mon image, juste à cliquer dessus et rentre directement sur mon écran. Et là, si je prends ma main encore là, je prends mon doigt. Si je prends deux doigts, je vais pouvoir le raccourcir, le faire tourner même, le mettre où je veux facilement. Je peux aller en chercher plusieurs. Je peux aller même user ça ici. Je peux aller chercher des vidéos aussi. Donc, une vidéo ici. Fait que j'ai des vidéos qui sont en lien avec Pomme. Mais si je fais une recherche rapide et que j'écris addition, par exemple, et je vais pouvoir les trouver. Je me prépare d'avance, mais je vais avoir plein de vidéos qui sont en lien avec les additions. Là, c'est en anglais parce que. Par exemple, je peux aller chercher addition ici, je vais juste cliquer dessus et mon document va se ramasser ici, que je peux encore là grandir si je veux. La résolution va être bonne et puis j'ai juste à cliquer dessus et mon vidéo va partir en plein écran. Fait que dans mon document, je pourrais me rajouter des vidéos. Fait que si je prépare ma leçon d'avance, rien qui m'empêche de pouvoir commencer en haut dans mon premier petit carré blanc, d'aller me mettre un titre avec une image pour expliquer ce que je vais parler, par exemple. Ensuite, d'aller me chercher des images pour la pointe 2. Si je suis en univers social, je peux aller me chercher des images des régions administratives ou le thème que je veux aborder. Après ça, je peux me mettre une vidéo plus loin, fait que je peux avoir toute ma séquence de mon activité l'une après l'autre. Et puis là, après ça, des consignes pour le travail qu'ils vont faire en équipe et tout, tralala.
Et puis, je peux même rajouter aussi des activités rapides. Je peux ajouter des outils comme ça qui sont rapides. C'est des widgets qu'on appelle. On peut rajouter une horloge. Donc, si je veux avoir, je veux calculer le temps, que ça soit disponible, cliquez dessus. Mon horloge apparaît. Encore là, je peux la sélectionner. Je pourrais ici aussi changer. Quand je clique sur le petit triangle, j'ai des options. Je peux aller dans les paramètres, je pourrais le supprimer, l'enregistrer dans mes widgets. Si je fais des changements dans mon horloge, je pourrais aller l'enregistrer tel que je la veux. Donc, je peux dire, OK, ici, je veux avoir une horloge, mais je veux l'avoir en heure comme ça ici. Et je veux aussi, je peux avoir les deux comme ça, un côté de l'autre. Autre widget que je peux rajouter qui sont intéressants, j'ai ici le spinner pour faire des tirages. Pour faire des tirages ou des choix. Donc, je peux aller cliquer dans mon spinner, aller encore dans mon petit triangle, et je peux aller jouer dans mes paramètres. Et là, je pourrais ajouter le nom de mes élèves, par exemple. Je pourrais aussi aller ajouter des activités spéciales qu'ils veulent faire ou bien des jeux, n'importe quoi. Donc, quand on a un choix à faire de façon aléatoire, je peux cliquer sur mon spinner, puis c'est ça qui va m'être utile. J'ai une limite de 12 entrées. Donc, je peux en faire deux, par exemple, pour avoir si je veux avoir tous mes élèves à l'intérieur. C'est ma limite, c'est vraiment 12 entrées. Et quand j'ai terminé, j'ai mon spinner ici. Mettons que j'ai tous mes noms. J'appuie ici et puis ça va pouvoir me faire un choix aléatoire que je peux me mettre dans un coin, utiliser, mettre en favori aussi pour pouvoir l'utiliser en tout temps dans ma classe. Une fois qu'il est terminé et que je veux le garder en mémoire dans mes widgets, par exemple, je peux aller enregistrer dans mes widgets ici. Et là, il va être en mémoire ici. Fait que j'ai déjà fait la classe 301. Ici, c'est celui que je viens de faire. Si je veux le changer de nom, je vais aller modifier ma liste. Et là, c'est là que je vais pouvoir aller changer mon nom, puis par exemple l'appeler 803. Et là, en cliquant sur ça ici, que je sois n'importe où dans n'importe quel tableau blanc, je vais pouvoir aller chercher facilement mon plus 103 et m'en servir. Je vais aussi avoir des dés. Donc, vous allez voir, l'orientation, là, j'ai mis trop de widgets un par-dessus l'autre. J'ai dû rattraper le dé. Il faut vraiment cliquer de la bonne façon. Et encore là, je vais pouvoir aller dans mes options, aller paramétrer. Et j'ai des options ici. Je peux mettre garder mes points pour le traditionnel dé. Je pourrais en mettre plusieurs, un côté de l'autre. Ou bien mettre du texte aussi à l'intérieur. Au lieu des deux points traditionnels, je pourrais aller écrire par exemple sujet. Ici, je pourrais écrire verbe. Et puis complément, tout ça. Et là, mon dé après ça, ce qui va, quand ça va être la rotation, ça va être vraiment ce que j'ai personnalisé à l'intérieur. Je pourrais en mettre deux par exemple. Tout sujet, verbe. Et puis là, je vais fermer mon dé. Et si je clique dessus, les deux de façon aléatoire vont pouvoir tourner. Après des additions, ça peut être des multiplications, des divisions, selon la matière que vous avez, vous pouvez utiliser les dés comme ça. Ensuite, comme widget, rapidement, en mathématiques, je vais avoir des trucs de mesure. J'ai le chronomètre aussi. Donc, j'ai l'horloge ici vraiment qui donne l'heure, mais le chronomètre, vous allez pouvoir faire des comptes à rebours. Encore là, pour calculer les angles, vous avez une règle aussi qui est là. Fait que tout ça, vous pouvez les paramétrer à votre goût. Après, vous les rajoutez une fois qu'ils sont modifiés dans vos widgets. Utilisé en tout temps. Donc, ici, je vais voir les images, les widgets qui sont là. Si je clique sur le plus, je peux rajouter des pages blanches. Mais j'ai des modèles déjà faits qui sont super intéressants. Des organisateurs graphiques. Fait que j'ai tout ça ici, des modèles déjà faits que je peux aller chercher. Par exemple, si je veux travailler un diagramme de Venn, j'ai ça ici. En cliquant dessus, mon diagramme arrive. Et là, je vais pouvoir aller écrire dans mon diagramme de Venn la couleur que je veux. Aller même chercher des images pour pouvoir les rajouter dans mon diagramme pour les mettre au bon endroit. Par exemple, je peux aller travailler là-dessus. J'ai le diagramme de Venn, mais j'ai aussi, si j'ai encore dans le plus ici, je vais avoir des tableaux double entrée, à triple entrée, des tableaux comme un calendrier aussi, des choix, des causes à effet, des brainstorming. Et j'ai aussi ici des éléments à manipuler.
Donc, encore d'autres sortes de modèles déjà faits avec de la monnaie. J'ai des pièces de monnaie qui sont ici. C'est la pièce des dollars américains, par exemple, là, l'argent américain. Et je pourrais aller jouer avec l'argent comme ça. Je peux aussi me manipuler. Je vais avoir des trucs en mathématiques. J'ai aussi un calendrier, pièces de monnaie, des horloges où je vais pouvoir aller jouer pour la primaire. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Les tableaux des centaines qui sont là aussi. Carré des mots, je vais avoir aussi, par exemple, trier des formes. Pour les profs de musique, je vais avoir des portées avec les clés que je vais pouvoir mettre au bon endroit. Puis ensuite, j'ai des notes que je vais pouvoir glisser à la bonne place. Donc, ça, c'est pour les modèles déjà faits. Et j'ai l'activité qui s'appelle Criez-le, que je peux me faire facilement. Donc, Criez-le, ça transforme votre tableau en activité de mobilier collaboratif à distance. Fait qu'en commençant à cliquer là comme ça, là, je peux aller, ça crée ceux qui connaissent bien le logiciel Notebook, le logiciel qu'on trouve sur nos postes. Bien, c'est la même chose en un petit clic intégré dans le pays. Je peux aller, par exemple, on va le voir souvent, cette façon de faire-là. Avec toutes les activités du EPI dans Notebook, on peut faire ça. Je vais pouvoir prendre ça ici et le partager. Donc, dire à mes élèves, tiens, va sur le site hellosmart.com. Pour ma classe, c'est toujours le même numéro. Chaque enseignant a le même identifiant, toujours. Et puis, ils vont pouvoir aller travailler dessus. Par exemple, vous pouvez aller sur. Les élèves vont pouvoir utiliser soit un iPad, ils peuvent utiliser un Chromebook ou n'importe quel poste qui va sur Internet, vont pouvoir accéder à l'activité. Je leur apparais quand ils vont se brancher, vous allez voir, ils vont pouvoir rentrer comme élèves et en tant qu'invités aussi. Fait que si vous voulez faire ça rapidement, il y a toujours la possibilité de cliquer sur élèves invités. Comme ça, ils ne sont pas obligés de rentrer leurs données, leur identifiant mot de passe commission scolaire. Si vous voulez vraiment être certain que c'est les bonnes personnes qui travaillent, faites-leur identifier avec en rentrant avec l'identifiant mot de passe et puis là, ils vont pouvoir y aller. Et là, rejoindre une classe, je vais écrire mon code qui est à moi pour toujours. Et là, je vais mettre mon nom. Je vais rejoindre. 26 élèves sont ici présents. Je vais avoir mes 26 personnes qui vont apparaître ici. Et là, si je commence à partager, je ferme ma fenêtre, je commence l'activité. J'ai là une fenêtre où je peux écrire. Fait que je peux demander à mes élèves d'écrire soit un mot ou soit des phrases complètes. Fait que là, si je leur demande, par exemple, d'écrire des mots avec les mots, des phrases avec les mots de vocabulaire de la semaine. Je vais juste écrire, ils vont les faire envoyer. Et puis là, je vais avoir tout ce que mes élèves vont écrire sur leur appareil mobile ou sur leur poste va apparaître ici, un après l'autre, comme une tempête d'idées. Et puis là, si je clique dessus, je peux l'agrandir. Et puis, je peux, si je clique dessus, je peux l'agrandir. Il y a une petite poubelle en haut, si je trouve que ça ne fait pas mon affaire, c'est là. Le nom de la personne, ce qui est le plus fun, c'est que le nom de la personne apparaît. Fait que si vous vous faites entrer avec leur identifiant mot de passe commission scolaire, ben, ça va être vraiment leur nom qui apparaît. Ici, fait qu'on va pouvoir un peu plus contrôler ce qu'ils font. J'ai toujours des petits gadgets aussi ici, en plus. J'ai des buzzers que je pourrais ajouter. Donc, en cliquant sur des buzzers, comme dans le logiciel Notebook, je vais avoir des petits boutons que les élèves vont pouvoir venir peser. Je peux aussi, même ici, en cliquant sur la roue dentelée, en rajouter. Et ils vont pouvoir peser pour savoir être le premier qui va venir au tableau. Je vais avoir ici aussi un générateur aléatoire de noms, que je vais pouvoir rentrer ici. Mes noms seulement, il n'y a pas de nom d'élèves que je mette à l'intérieur, mais je peux mettre des numéros dans mon chapeau. Par exemple, si je fais les numéros de 1 à 32, mon chapeau va être là, que je vais pouvoir cliquer dessus. Et aléatoirement, ça va me choisir des noms au hasard. Je peux aller le supprimer. En cliquant ici, je peux aller l'enlever. Je peux aussi aller enlever mes petits buzzers. Et j'ai une minuterie aussi qui est ici pour cette activité-là.
Je pourrais mettre une minuterie qui apparaît en haut. Je vais pouvoir mettre une durée de temps pour l'activité. La roue dentée, ici, c'est le fun. Je peux afficher les noms ou pas. Donc, ça dépend de l'activité qu'on fait. Je peux aller dire, je ne veux pas que les noms s'affichent de mes élèves. Ou bien là, je veux que ça s'affiche. Contribution par élève, là, c'est 3. Le paramètre, vous allez le faire quand, au début de votre activité. Comme ça, je peux changer ici ma contribution par élève. Une fois que mon activité est démarrée, je ne peux plus changer la contribution. Fait que je peux mettre, par exemple, une contribution seulement. Fait qu'ils vont m'écrire seulement une phrase ou un mot. Ou bien, je peux en mettre 10. Fait qu'ils vont pouvoir en mettre plus. Et ici, j'ai encore tous mes élèves qui sont là. Si vous changez de classe souvent, à la fin de l'activité, faites supprimer tous les élèves. Et là, votre liste va disparaître. Si vous les gardez toujours là, l'avantage que l'élève ne sera pas obligé de se reconnecter à chaque fois. Il va directement arriver sur votre bonne page. Et là, supprimer mes élèves qui sont là pour une prochaine activité. Fait que c'est vraiment en cliquant sur ça ici, où je vais pouvoir aller cliquer là pour avoir mon information en gros, où mes élèves doivent aller me rejoindre. Le rythme de l'enseignant, c'est moi qui dicte quand est-ce que je change de diapo. Étudiant, ça va être libre à l'étudiant de changer de diapo comme il veut. Là. Vous avez ça ici, partout. Si je m'en vais aussi, dans par exemple, sur mon horloge qui est ici, eh bien, si je veux que mes élèves voient mon image qui est au tableau ici, je peux juste, encore là, je peux aller leur partager. Je peux leur dire, OK, allez sur HelloSmart, vous allez avoir la même image que ça ici sur votre ordinateur, votre portable, votre iPad.